Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, aujourd'hui, je vous présente ce Scania série 1 qui a été remis à jour par Soap. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on analyse ensemble un vieux coucou, et oui, vous êtes amateur de véhicules old school. Eh bien, notre ami Soap a encore frappé, puisque son objectif, visiblement, c'est de remettre à jour les vieux modes. Et c'est le cas pour ce mode, le Scania série 1, qui était très apprécié par la communauté. Et du coup, il a été mis à jour par notre ami Soap. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche, s'il n'y a pas de problème, etc., etc. Voilà, vous m'avez compris, et vous comprenez tout à fait comment fonctionne la chaîne et son concept. Donc c'est parti, du coup on va directement au concessionnaire modé puisque c'est là qu'il se trouve, et on va le découvrir ensemble. Donc vous le connaissez déjà, c'est un Scania série 1 qui est ma foi plutôt très très bien réalisé, qui est plutôt joli, ça c'est clair, en tout cas niveau texture et tout, on est vraiment sur quelque chose de plutôt sympathique. On a même le bloc ici qui a été réalisé en fond, etc. C'est plutôt propre, en tout cas les textures sont vraiment très très bien faites. Je sais pas si la retouche à la 3D, j'ai pas l'impression, je sais pas du tout, enfin on va voir un petit peu après par la suite. Et l'objectif bien entendu c'est de l'équiper et de le mettre en avant. Allez, c'est parti, donc on va commencer par les cabines. Donc on a plusieurs types de cabines ici, on a deux types de cabines. Donc on a la cabine ici 110-140 cab qui accueille une couchette à l'arrière, bien sûr. Ici, cette cabine là en fait, là on a la version super, voilà, la motorisation super qui bénéficiait à l'époque des turbocompresseurs, voilà, d'où le nom super. Et ici, donc la version classique avec le logo, enfin le badge Scania et les feux ronds. Sinon, ici on a les feux carrés. Donc, du coup, on va se mettre en feux ronds comme ça, c'est très sympa. Voilà, je préfère même. Et ici, donc, on a la version 6.4, 6.2 plutôt, qui est rallongée. Voilà, et enfin la cabine rallongée. Donc ici avec une couchette un peu plus grande. Donc, du coup, nous on va se mettre comme ça en 4.2, c'est très bien, ça fera le taf. Niveau châssis, c'est plutôt pas mal, vous allez voir. Donc on a le châssis 4.2, le châssis 4.2 sport, c'est ce qu'ils appellent sport, on va dire que c'est un low deck, puisqu'il est rabaissé. Le châssis 6.4, voilà, qui est là. Le châssis 6.4 tag lift, qui est ici, donc avec l'essieu relevable. Et on a la version également porteur. Bon, je suis pas très fan de la version porteur, clairement. Enfin, la carrosserie, c'est pas ouf du tout. Et en plus, on est sur les skins classiques, World of Trucks, etc., etc. Donc, on va se mettre ici en version low deck et ça fera l'affaire. Et c'est très bien. En termes de motorisation, donc on est sur les vieux moteurs, bien sûr. DS11, DS14, DS14, 14-14. Donc, la version V8 et la version 6 cylindres. Je sais pas si c'était des 6 cylindres à l'époque. Je vois 0,5. Ça n'existait pas les 5 cylindres à l'époque, je sais pas du tout. Enfin, dites-moi en commentaire, pour ceux qui ont connu ces véhicules-là, ou ceux qui connaissent d'ailleurs. Et nous, on va le mettre en version V8. Donc on va mettre le 375 chevaux, qui était déjà pas mal. C'était déjà pas mal à l'époque. Il y a une bonne puissance quand même pour l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des 730, 770, c'est vrai que ça change. Mais bon, en termes de transmission, ici on a du GR800, du Optic Cruise, donc on a trois transmissions à vous de sélectionner. Moi je vais prendre la 12 vitesses avec retarder, bien sûr, comme d'habitude. En termes de skin, ce véhicule est totalement skinable, vous pouvez le skinner, vous avez les templates, je crois, qui sont... Alors je sais pas si elles sont fournies à l'intérieur, toujours est-il, vous pourrez les trouver facilement sur Google. Ici sinon, on a déjà des skins déjà pré-conçus, voilà, vous en avez pas mal ici, ils sont plutôt pas mal, très sympa. Nous du coup on va peut-être prendre celui-là, voilà, qui est plutôt sympa, voilà, et puis on va essayer de se faire un petit Scania plutôt cool, Allez, c'est parti. Allez, niveau personnalisation, c'est ce qui intéresse le plus de monde, bien sûr. Donc ici on va commencer par les petites bavettes. Voilà, on a 4 bavettes, 2 bavettes, les bavettes Stiholt ou les 4 Stiholt. On va laisser les 4, pourquoi pas, ça peut faire un truc sympa. Ici on a des rampes de feu,
Alors on a une rampe avec des slots. Est-ce qu'on peut rajouter des feux? Est-ce qu'il y a des feux à l'intérieur? Oui, il y en a à l'intérieur. Donc on va déjà voir ce qu'il y a déjà. Et ensuite on verra ce qu'on peut faire. Sinon vous allez barre SCS, un classique, ou vous avez déjà une rampe de feu ici, qui est déjà vise, d'ailleurs. Voilà. Ou sinon vous avez juste des slots. Sinon qu'est-ce qu'on a de beau? Donc ça c'est des trucs SCS. Ici on a une grosse barre chromée avec des slots. Ici, avec la plaque d'immatriculation, donc ça c'est plutôt cool, avec la plaque d'immat que vous pouvez très probablement skinner dans les DDS. Donc ça c'est cool, par contre on n'a pas de slot, ça c'est un peu dommage. Et sinon, on a de nouveau cette barre en peinture. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici en version... on va se mettre comme ça, parce que comme ça... Ouais, on va se mettre comme ça on va pouvoir lui mettre les petits talmus là. Alors, on a des talmus ici, je pense que c'est ceux du 50k add-on à mon avis, hein, qu'il a dû récupérer, je pense. Ok... Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Là, ici, on a... Ah ouais, on peut changer la couleur des feux de brouillard. Donc soit en bleu, soit en blanc, soit en jaune. On va les mettre en jaune. Hein. Voilà, ça va changer un petit peu. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc ça, c'est les badges. Ok, 141 V8. Ah, ça claque, hein, ça fait pas mal. Les free slots. Donc là, il y en a partout, des free slots. Hein. Donc du coup, on va pouvoir s'éclater là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va mettre ici le petit logo super. Je sais qu'il est fourni. Voilà, il y en a un là. On va le mettre ici. Tac. Et ici on va mettre, je vois qu'on a des double burners, mais c'est version rouge. Ah non, on a des oranges ici. Voilà, on a des oranges ici. Donc on va mettre ici un orange et là un orange. On a même des plaques ADR. Voilà, plaque tir et une plaque ADR orange. Enfin, elle est pas vraiment orange. Hein, elle est un peu rouge, bizarre. On va mettre la plaque tir. On va la mettre ici. Voilà. Je regarde ce qu'on a d'autre. On a un petit Vabis logo. On peut mettre un petit logo Vabis. Hein. On peut le mettre ici si on veut. Voilà, par exemple. On peut le mettre là. Et puis après, on a des bibindoms et tout ça. Mais ça, on verra ça après. Bon, ça, les lignes de réglementation. Voilà. On laisse comme ça. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc ça, c'est les déflecteurs d'angle. Ok, donc on en a pas mal. Peinture plastique et compagnie. Version old, version... Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Métallique, peinture, etc. etc. Je vois, c'est pas... série 2 peinture. Plutôt mettre celui-ci qui est mieux. Voilà, je trouve qu'il passe beaucoup mieux. Ok. Alors ici. Alors là, c'est cette partie-là qu'on peut peindre sur la calandre. Donc soit tout ouvert ou soit cette partie fermée. On va laisser tout ouvert, je trouve que ça fait plus sympa. Ici, chauffeur, ça me parle. With mirror... Ok, ah oui, ça c'est pour l'angle mort, ok, d'accord. Mais chauffeur, ça me dit quelque chose. Alors ça, c'est des rétros en plus, hein, ici, pour les angles morts, etc. Ok, donc je le mets pas, sinon ça me fait tout sauter. Ici, donc, on a la possibilité de mettre donc la plaque convoyeur, et on a des accessoires ici, du DLC Mighty Griffin, mais il y en a plusieurs, en fait, et les mêmes. Donc, ah ouais, c'est par rapport aux LED, en fait. Donc les LED, on a des LED de plusieurs couleurs, on a rouge, on a vert, on a bleu, et puis c'est tout. Bah du coup, ah, on a la version rouge également ici. Et ben on va mettre ça en rouge comme ça. C'est pas mal ça. Hein. On va la mettre en rouge ici, rouge là. Et là du coup, on va mettre celui-là ici en rouge. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut être sympa. On va voir un peu. Ok. Donc là on a fait le tour. Alors au niveau des rétros, c'est pareil. Donc on a les rétros en couleur, enfin en peinture ou en plastique. Je vais plutôt les mettre comme ça, pièce d'origine. Ouais, c'est pas mal. Trop de couleurs, après, je trouve que ça tue un peu de trucs. Ici, on a les drapeaux, hein. Bon, basique, plutôt, je voulais dire, plutôt. Là, on a un autre slot, ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des petits feux sur les côtés, ok, très bien, regardez. On a des feux, ok. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, ici, non? Les free slots, ça, c'est bon, je l'ai vu. Ça, on vient de le voir, ça aussi. Ok, non, bah, je pensais. Alors, on va passer ici. Donc là, je pense qu'on a les visières. Donc les pare-soleil, hein. On en a plusieurs, peinture 1, peinture 2, peinture 3, donc en fait c'est l'inclinaison en fait qui change, hein, tout simplement. Et ici on a différents types de teintes, transparent en fait, hein. Et ici version noire, qui est ma foi sympathique, parce que si je le mets comme ça en rouge, je trouve que ça fait un peu de trop, donc du coup on va le laisser en noir comme ça, c'est pas mal. Alors au-dessus, qu'est-ce qu'on a de bon? On a des free slots un peu partout, donc ça c'est sympa. On a la barre hosting SCS classique, on a ici un roof rack au-dessus avec une lightbox,
Ici, pareil, hein, donc on a des lightbox. Alors, je sais pas c'est quoi cette... Ouais, je pense que c'est ça, c'est Vogel. Enfin, je m'adresse pas à vous, hein, vous inquiétez pas. Je lis juste, en fait, le... Enfin, vous m'avez compris. La lightbox, ce qui a marqué sur la lightbox. Donc ici, la petite lightbox qu'on va tester ensemble. On va donc mettre quelque chose ici. Alors, on a des feux, et là... est-ce qu'on a des feux ronds? Ouais, on a du Bosch Rally, ici. Alors, ça appartient au 50K add-on, hein. J'ai bien l'impression, ouais. Ouais, mais vieux, hein, je pense, hein. Les vieux 50K add-on. Du coup, ici, on va pouvoir mettre... Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ouais, le bimindom, non, je pense que ça va faire un peu de trop. On va probablement mettre ici plutôt ça, voilà. On va faire un truc comme ça. Et ici, on va pouvoir mettre éventuellement des trompes. Voilà, ça peut faire l'affaire. Ça peut être sympa. Les thunder, ou alors les tones plutôt, non. Ouais, les tones, je trouve que ça fait mieux. On va mettre les tones ici, voilà. Ok. Je crois qu'il y avait un autre slot, non? Non, il n'y a pas de slot. Dommage qu'il n'y ait pas des slots ici, ça aurait été sympa. Voilà. Après, du coup, ici, on a les... Ah bah, ça va tout me virer, mais bon, c'est pas grave. On a des déflecteurs. Donc, déflecteurs de toit, avec des slots en plus. Voilà, donc vous choisissez. Bon, du coup, je vais plutôt mettre ici, là, voilà, là, le roof rack. Je trouve que ça fait plus sympa. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, blue intérieur light, orange intérieur light. Ah, on a des... Ok, on a des éclairages d'ambiance intérieure. On va regarder un petit peu ce que ça donne. On va mettre rouge. On va voir un peu. Hein. Et on verra ça après en jeu, directement. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les antéviseurs. Ok. Rétroviseurs d'accostage, pardon, autant pour moi. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? La Griffin décalque, ok, donc là on a des décalcos sur les côtés, Michelin, etc, etc, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre ça, on va laisser ça comme ça, ok. Les poignées de porte, bon, on connaît tous, hein. Voilà, on va laisser en noir comme ça, c'est bien. Ah, ici on peut mettre des sucettes de rétro, ok. Très bien, on a un slot pour ça, c'est sympa. Ici, qui sont notre beau, donc ça c'est les marchepieds, on va les laisser en noir comme ça. Les roues, on va les changer, bien sûr. On va se mettre des roues... plus approprié, on va dire, entre guillemets. Alors, bien sûr, du Alcoa. Alors, pas des pneus trop gros. Pas trop gros, j'ai dit. Ou c'est moi qui... Ouais, c'est... Les pneus sont balèzes, en fait, par rapport au véhicule. Ça fait bizarre. Bon. On va mettre ceux-là. Voilà. On va essayer de se faire un truc cool. On va mettre ça comme ça. Et on va mettre... Alors, le Scania, je sais plus c'est lequel, c'est celui-là, le Synergy. Voilà, on va mettre ça en rouge. Et voilà, on va laisser comme ça. Ok, très bien. Alors, il y a des slots ici qui se cachent. On a les échelles à ce niveau-là. Donc, échelle peinture, échelle chrome. Soit des deux côtés, ou soit une seule. Enfin, voilà. On va mettre... Ouais, on va mettre comme ça, c'est bien. Ça fait le taf. À l'arrière, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, une rampe de feu à l'arrière. Ok, donc soit en peinture ou soit en chrome ou métallique. Ouais, c'est plutôt métallique. On va mettre ça en métallique. Ouais, c'est bien. Alors, ici, qui sont là, donc on peut fermer cette fenêtre là. Ok. Ici, les échappements. Ok, verticaux. Ou sinon, le. Ici, le side pipe. Ou sinon, double échappement. Et ça rend bien le double échappement, hein, je trouve. Ça fait même mieux. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a des slots ici qui sont planqués. Donc là, on a les couvertures de châssis métalliques. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, on peut peindre les réservoirs, ok. Très bien. Ah, on peut mettre des réservoirs comme ça. Ah ouais, pas mal. Ah, en noir comme ça, ça en jette. Parce que là, ça fait trop, là. Je trouve que c'est trop... en noir, ouais, ça claque. C'est pas mal. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est le châssis qu'on peut peindre. Bah, d'ailleurs, le châssis, on peut le laisser comme ça, éventuellement. Voilà, je trouve que ça fait pas trop surcharger. Ok, on peut peindre le châssis, etc, etc. Et là, qu'est-ce que c'est, du coup? Ah ouais, c'est les passages de roues. Voilà, et du coup, on a le pare-choc qui change, donc on a un pare-choc custom en plus. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il n'y a pas la version plastique avec le pare-choc custom. Bah, j'ai pas l'impression. En fait, on a plusieurs types de pare-choc. Bah, du coup, on va mettre celui-là. Parce qu'il y a une petite. Puis il y a déjà les marqueurs et il y a un petit truc pour les bavettes. Une petite. Un petit slot pour les bavettes. Donc, on va voir après. Alors, là, du coup, on va remettre les roues chrome. Tac. Et on va mettre ici le vanity. Et les pneus, on va les modifier. Voilà. On va mettre du Michelin. Et bah, ça fera toujours mieux. Ok. Donc, là, alors, le petit slot, bien sûr, c'est pour les bavettes. Donc, on peut mettre 4 bavettes à l'arrière. Soit une seule. Ou soit 4 Steholt. J'ai mis quoi, moi, devant? Les Steholt. Donc, on va mettre les Steholt. Hein, ça rend plutôt pas mal.
Voilà. Mais bah en fait, j'ai l'impression qu'elles sont en fait en. Elles ont été. Regardez, ça fait un truc un peu en 3D. Très bizarre. Je sais pas si on peut virer celle de derrière, ça fait. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça rend bien. Il est très sympa ce petit Scania. Très 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 cool. Bah, je crois qu'on a fait le tour hein, de toute façon de l'extérieur. Ça, je crois qu'on a vu ensemble. Ça aussi, là, c'est pareil, c'est les poignées. Bon, on a fait le tour. Hein. Et là, regardez, franchement, ça rend trop trop bien. Il est trop stylé en fait le Scania. Vraiment très sympa. Allez, niveau intérieur, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, l'intérieur, ma foi, bah, il est propre. Hein. Franchement, il est propre. Les textures sont pas trop trop vieilles. On est sur quelque chose de plutôt. Plutôt fin. Franchement, ça va. Voilà, on voit que c'est propre. Ça c'est clair. Pourtant c'est un vieux mode, hein, mais ouais, c'est clean, ouais. C'est très très clean. Donc on a plusieurs types d'intérieur. Standard, on a le Scania Vabis Green, donc avec cet intérieur un peu capitonné. Et on a le Scania Vabis Red. Donc en fait, ouais d'accord, c'est cette texture là qui change. Et ça fait vraiment sympa. Franchement, la texture en bois comme ça, ça claque. Avec le capitonné là comme ça, je trouve ça assez cool. Allez, niveau personnalisation, on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc là, soit le volant. Ah, par contre, le volant d'origine, il y a un petit souci, regardez, un petit souci de texture. Je sais pas si c'est fait exprès, j'ai pas l'impression, mais bon, voilà. Sinon, on a ici le volant 3 branches qui est très très bien. Ça, on l'a vu, le GPS, on peut le mettre. Donc on peut mettre le petit GPS là. Ça, c'est l'extérieur. Les éléments du pare-brise, donc ça, il n'y a pas de problème. On va pouvoir mettre nos éléments du pare-brise. Comme d'hab, on va faire un truc. À l'arrache, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là, on a des slots. Ça, c'est cool. Par contre, les slots, hein, ça, c'est vraiment très très sympa de pouvoir mettre nos petits accessoires. On va mettre un délire comme ça, et puis ici, on va mettre, ouais, un délire comme ça. Ici, on peut remettre quelque chose. Donc ça, c'est cool. Ici, on a plusieurs slots. Alors ça, c'est l'extérieur. Ici, on a les franges. Donc on peut même mettre les franges du Mighty Griffin. Donc ça, c'est cool. Ici les objets suspendus, ok. Là une CB, on peut mettre une CB. Oh la vieille radio quoi, mort de rire. Putain, j'hallucine quoi, à l'époque c'était vraiment. C'était un truc de fou quand même, comparé à aujourd'hui. Ok, alors on peut mettre quelque chose sur le siège, on peut mettre quelque chose ici. Par contre, rien sur la couchette. Et là par contre, ici on a un slot sur lequel on peut mettre un fond de cabine lumineux, mais sur le dos de la couchette en fait. Donc ça c'est cool. Bon, on va laisser le petit V8 comme ça, je trouve ça claque. Et puis voilà, franchement, il y a ce qu'il faut où il faut, c'est cool. Voilà, et ça rend bien, regardez. Franchement, il est propre ce petit Scania. Très 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 sympa. Ok, par contre, je voulais essayer juste un truc, c'est les capuchons de roue. On peut pas mettre des plus gros capuchons de roue. Ouais, en pointe, ça fait bizarre. Mais comme ça, ouais, plutôt comme ça, histoire de changer un petit peu, que ça ressorte un peu là. Que ça fasse vraiment agressif. Ouais, là on est bien, là, regardez. Là, c'est propre. Allez, on va ouvrir la console du développeur. Y a-t-il des erreurs? On va le savoir dans quelques instants. Eh ben, aucune. Ah, si, il y en a une là. Il y en a une ici. Alors, fait to open file, véhicule truck Scania Vabis texture plastique. Alors là, c'est par rapport à quoi? Fog light. Vabis accessory grill. Ah, il y a un problème en fait avec les feux, peut-être. C'est possible, on va voir ça après. Mais il n'y a qu'une seule erreur. Et franchement, le reste, hyper clean. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on confirme. On achète. On se met sur Jean-Louis. Je voulais juste vous montrer vite fait la version ici, porteur. Pour vous montrer que voilà, on peut changer en fait. Ah, là aussi, on peut mettre un truc, un gros coffre derrière. Ok, très bien. Alors je regarde, peinture, ok, donc ça, ok. Là c'est pareil, on peut donc on peut le mettre en plusieurs versions, donc la version citerne, on a des slots derrière, mais je sais pas vraiment à quoi ils servent, ouais, c'est juste pour mettre des loupiottes, des trucs comme ça. La version ici thermo, une autre version thermo, une version ciment, transport de ciment, ok. Une autre version citerne, bon, c'est pas ouf, hein. Franchement c'est pas ouf du tout. Version bâchée. À l'ancienne. Celle-là encore, franchement, elle passe celle-là. Franchement, cette version-là, elle passe. Ouais, elle passe même plutôt bien. Celle-là, ouais, elle passe bien aussi. La petite bâchée Wilton, ouais, ça rend plutôt pas mal. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Et bah du coup, regardez, je vous montre un petit peu. Alors, tac, celle-ci. Et là, c'est pareil, en fait, c'est juste pour mettre des accessoires, enfin, des loupiottes, etc. Enfin, rien d'extraordinaire. Voilà, et hop. Donc ça, c'est good. Bah du coup on va pouvoir tester ce véhicule tout de suite. Tac, on va faire F7 comme d'hab. On va aller au service de remorquage.
on va aller se foutre directement là-bas. Et puis, on va aller checker tout ça ensemble. 13h41, on va quand même remettre 13h. Il n'y a pas d'erreurs qui sont apparues. Magnifique. Et donc, voici ce petit Scania série 1 qui est juste excellent. J'avais fait à l'époque un gameplay avec ce véhicule et franchement, je m'étais éclaté parce qu'il est juste incroyable. Regardez-moi ça. Il est juste ouf. Moi, je kiffe, hein, vraiment. Très très sympa. On va le démarrer et a priori c'est des sons modés. On va le savoir tout de suite. Ok. Voilà, le son modé qui est très sympa. Avec ce son turbo qui est juste incroyable. Non, le son est vraiment incroyable. Hein. Très sympa. Petit klaxon. Ok, tout fonctionne. Allez, on va se mettre de nuit. On va tester tout ça. Hop là. Et donc, regardez les petites mini lightbox. Hein. Elles fonctionnent bien. Donc, en rouge, ça rend bien. Ça change un peu du bleu. Allez, on va se mettre ici en feu de position. Ah, bon. Alors, on a un petit souci avec un éclairage. Alors, c'est lequel? Ça, par contre, on sait pas du tout, mais ça éclaire vachement rouge. Je sais pas c'est lequel. Alors qui éclaire rouge comme ça, d'après vous? Le problème c'est qu'on va pas pouvoir continuer. Faut qu'on trouve en fait le protagoniste. Je l'avais pas vu ici dans le truc là. Ah ouais, puis là du coup je peux plus le voir. Parce que là du coup je peux pas continuer comme ça. Il faut absolument que je trouve le coupable. Alors le coupable, il est où le coupable? Alors ça serait pas plutôt l'arme de feu qui est là, justement. Si je mets cette rampe là. Voyons voir au niveau des erreurs. Parce que là, je vais regarder un truc vite fait. Si je remets l'autre. Pourtant, il n'y a pas d'erreur. Hein, pourtant, non. Je pense pas que ça vienne de là. Peut-être le V8. On va essayer d'enlever ici les. Ça me paraît quand même. Mince. Ça me paraît quand même bizarre ça. Alors, je vais confirmer la commande. Je vais regarder juste ici. Regardez si ça vient pas. Il y a un délire quelque part. Je crois qu'il y a un truc qui éclaire et qui fait tout bugger. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc ça va être très compliqué du coup. Alors notre ami Soap, il est gentil, mais j'ai l'impression qu'il a pas testé en fait le véhicule jusqu'au bout quand il l'a mis à jour. Il y a un éclairage. Ah, je crois savoir ce que c'est. C'est ça. Le raid intérieur light. Faut le virer. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir remettre ça. Donc on avait dit... LED. Ok. Donc là, on va remettre la même chose ici. Donc le raid. Et ici... raid. Hop. Voilà. Donc en fait, c'était ça. C'était tout simplement l'éclairage intérieur. À tous les coups, c'est ça. Regardez. Du coup, j'allume mes feux. Voilà. Donc c'était bien ça. Ok, bon là enfin on va pouvoir tester l'éclairage. Ok, donc là tout fonctionne, les feux de position, etc. Voilà, tout est ok, il n'y a pas de souci. Feu de croisement, ça fonctionne bien. Et feu de route, tout est ok, pas de problème. Bon, c'est normal que ça fonctionne pas au-dessus. D'ailleurs j'ai oublié de le mettre, on va le mettre quand même. Parce qu'il faut bien tester jusqu'au bout. Tac, donc là on voit visiblement ça fonctionne. Et voilà, regardez, tout est fonctionnel. Voilà, pas de souci. Les gyros, pareil, tout est ok. Et regardez l'arrière. Pareil, tac, hop, les clignotants. Les feux sont sympas à l'arrière, sont très sympas. Et les clignotants à l'avant fonctionnent parfaitement bien. Tac, dommage là, vous voyez, on a des feux jaunes, par contre, ils éclairent en blanc. Ça, par contre, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Du coup, à l'intérieur, bah écoutez, ouais, on est sur quelque chose de vraiment très propre. C'est très sympa. Par contre, effectivement, donc, l'éclairage à l'intérieur, à éviter, hein, la preuve. Hein. Dès que vous allumez les feux, bah, vous allez... voilà, on dirait tel un ovni, en fait, sur le macadam, voilà, sinon c'est très très fluide, hein, même à l'extérieur, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est hyper fluide, donc pas de problème d'optimisation, et tout est fonctionnel. Regarde, on a un petit éclairage et tout, même ici on a un petit éclairage, je sais pas si c'est dû à la lightbox en haut, je sais pas du tout, ouais, c'est vraiment très propre, très clean, voilà. Allez, on va se mettre en journée, pour admirer tout ça, donc l'intérieur pareil, on est sur quelque chose de plutôt fin, hein, c'est clean. Alors, les fenêtres. Donc, les fenêtres s'ouvrent. On a la manivelle qui est animée. Par contre, on a malheureusement le son des vitres électriques. Bon, ça, c'est pas bien grave.
il n'y a pas de souci. Le volant, quant à lui, fonctionne bien. Les Komodo, pareil. Ici, par contre, ouais, je sais pas où il est, en fait, le ralentisseur hein, sur ce véhicule. Je sais pas du tout. Le frein de parc, ok, fonctionnel. Le levier de vitesse, non, ne fonctionne pas. Voilà, il n'est pas animé. Les essuie-glaces fonctionnent bien, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, non, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Voilà, très très bon véhicule. Clairement, donc rien à dire. Voilà, là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vous le recommande? J'ai envie de vous dire carrément que oui, sauf que ne mettez pas les lumières d'intérieur. C'est tout ce que je vous dis, sinon le reste c'est très clean, très très propre. Et voilà. C'est tout. Voilà. J'ai absolument rien à dire sur ce véhicule, franchement il est juste parfait. Pour un véhicule ancien, pour moi, ça vaut vraiment le détour. Et en plus de ça, c'est gratos. Donc voilà, autant se faire plaisir. Allez-y, profitez-en, piochez là-dedans. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs et le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et avant de partir, je viens de voir juste un petit problème ici. Regardez, du coup, on a les doubles plaques. Donc, faut pas mettre la plaque ici la rampe de feu. Puisque en fait on a la plaque SCS qui se génère automatiquement au-dessus. Et du coup on se retrouve avec deux plaques, ça fait un peu con-con. Mais c'est pas grave. Allez sur ce, je vous dis à plus. Ciao !